C'est le moment des questions orales. Député de Pian Carlton. Ma question pour le Premier ministre d'intérim. Ce matin, mes collègues et moi, nous avons assisté à la réunion du comité de juste avec le vérificatrice générale. Le député de Mississauga-Streetville a mis en question l'intégrité et le professionnalisme de la vérificatrice générale. Et les résultats de son étude dans ce comité, le vérificatrice a confirmé votre décision concernant les centrales à gaz. C'était quelque chose de favorable pour TCE et pas pour les contribuables. Nous avons confirmé que l'ingérence politique de la part du bureau du Premier ministre a gêné les négociations, nous a coûté plus cher et que OEO dit que Napanee n'est pas un bon site pour la centrale et donc votre gouvernement a dépensé 513 millions de dollars de plus pour resituer la centrale à gaz. Et nous savons également que le gouvernement sait depuis décembre 2010 que le chiffre était beaucoup plus élevé que 33 millions. Vous êtes incompétent. Est-ce que vous allez démissionner? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Sous Premier ministre, merci, Président. Comme nous l'avons souvent entendu dans cette chambre, le Premier ministre, c'est elle qui a demandé à la vérificatrice de étudier la situation à Mississauga. Nous remercions la vérificatrice, nous acceptons ses conclusions. Comme nous l'avons dit maintes fois dans cette chambre, c'était une décision de la part de ce parti, également du Parti conservateur, également du Parti nouveau-démocrate. C'est quelque chose où nous avons trouvé un terrain commun. Il fallait resituer cette centrale à gaz. Comme vous le savez, la vérificatrice générale a noté la volonté de la Première ministre d'agir, de réagir. Elle s'est réunie avec la Première ministre. Elle se contente du fait que le gouvernement prend au sérieux son rapport et qui veut agir. C'est très bonne impression de Richard Nixon, mais je peux vous dire que la vérificatrice générale, tout à l'heure aujourd'hui, a confirmé l'ingérence politique de la part de ce gouvernement, pas de la part du Parti conservateur, pas le Parti nouveau-démocrate, sinon de la part du Parti libéral de l'Ontario. Et le Parti libéral de l'Ontario, seulement votre premier ministre était le chef de campagne pour les dernières élections. Elle a signé le document qui a donné tous les droits de négociation à TCE pour que TCE soit intégrale. C'est très important et cela montre, enfin la vérité a dit que les contribuables n'avaient rien d'autre en jeu sinon l'avenir politique de votre parti. Si vous aviez mis ces centrales quelque part d'autre dans le Grand Toronto, vous auriez économisé 500 millions de dollars. Et si le gouvernement avait simplement attendu, ça n'aurait rien coûté. Est-ce que le Premier ministre va démissionner? Asseyez-vous. Monsieur le Premier ministre, la question est non. Enfin, la réponse est non. Mais ce que nous allons faire, nous allons réparer les erreurs, nous allons réparer les systèmes pour que cela ne se répète pas. Tout le monde est d'accord que le site original n'était pas adéquat. C'est pour cela que nous allons mettre en application les recommandations de OEO et de l'Office de l'énergie. Les communautés auront leur mot à dire dès le début. Nous allons prendre des décisions pour les sites des centrales pour bien faire dès le début. Nous présentons de nouvelles règles qui vont limiter la participation du personnel politique dans les négociations avec les partis tiers privés. Je crois que le personnel du bureau du Premier ministre ont agi de bonne foi et nous agissons suite aux leçons apprises. Question supplémentaire. Si jamais il y avait la preuve que l'équipe qui mène cette province est incompétente. Ça montre que Tim Hudak et les conservateurs doivent prendre le pouvoir. Parce que nous n'aurions pas fait ce qu'ils ont fait. Eux, ils ont créé l'OEO pour éviter l'ingérence politique dans les décisions énergétiques. Et puis, ils ont ignoré l'OEO. C'est l'OEO qui vous a dit que ce n'était pas le bon site
Est-ce que c'est des bonbons de transférer vers l'avenir? Vous avez donc coûté 500 millions de dollars de plus aux contribuables. Vous saviez que si vous ne faisiez rien, si vous aviez attendu, nous aurions dû payer un seul dollar. Nous avons une motion de non-confiance. Je vous demande aujourd'hui, Premier ministre adjoint, est-ce que vous allez permettre votre confiance? Est-ce que vous permettre aux députés de voter? Est-ce que vous allez nous permettre de voter contre le gouvernement pour nous assurer d'avoir des élections pour les gens de l'Ontario? Asseyez-vous. Merci. Premier ministre adjoint, ben je crois qu'il faut se rappeler ce qui s'est passé. Il faut rappeler à les députés en face. Ce qu'ils faisaient avec l'énergie. Ils se souviennent peut-être de la tentative pour privatiser Hydro-Ontario. Cela a coûté 19,5 milliards de dollars de dettes pour les contribuables que les Ontariens payent toujours aujourd'hui. Et vous vous rappelez peut-être qu'ils ont essayé de privatiser et cela a fait augmenter les prix de l'électricité 30%. 30%. Et en 30 semaines seulement, une augmentation de 30%. Ils ont plafonné les prix et cela a eu comme résultat 1 milliard de dollars de dette. Président, député de Renfrew, ordre s'il vous plaît. Et les députés du gouvernement, j'ai besoin d'écouter la réponse. Président, et pire encore, ils ont plus que doublé l'utilisation du charbon sale. Nouvelle question. Député de Cambridge. Merci, Président. Ma question pour le ministre de l'Éducation. Ministre, nous sommes tous d'accord dans cette Assemblée que l'éducation, c'est une chose essentielle pour la prospérité future de cette province. Ministre de l'Immigration, mais de la citoyenneté, ordre s'il vous plaît. Président, nous sommes d'accord que nous avons les meilleurs enseignants, ceux qui s'occupent le plus de leurs enfants, de leurs élèves, les enseignants qui travaillent le plus. La différence, c'est que notre province veut que ces enseignants soient dans les salles de classe. Mais le gouvernement préfère voir les enseignants les plus jeunes au chômage. Le député de Ottawa-Carlton a proposé un projet de loi qui permet de soutenir les enseignants, d'embaucher les enseignants d'après leurs compétences pour que les meilleurs soient devant les élèves dans les salles de classe. Les parents soutiennent ce projet de loi. Les enseignants sont en faveur et ce sera avantageux pour les élèves. Ministre, est-ce que vous voulez bien soutenir ce projet de loi pour que les enseignants de l'Ontario reçoivent le respect qu'ils méritent? Merci beaucoup, Président, et je suis tout à fait heureuse de pouvoir répondre à cette question. Tout d'abord, je veux être clair que nous avons dit à tous nos partenaires dans le secteur de l'éducation que nous sommes tout à fait prêts à travailler avec eux pour trouver les moyens d'améliorer les règlements. Nous savons qu'il y a des problèmes avec ce règlement, mais ce que nous n'allons pas faire, Président, c'est déchirer des conventions collectives, à la différence du parti en face qui... Député de Durham, vous êtes sur le point d'être renvoyé. Terminé. Merci. Nous n'avons pas de document papier blanc en quoi il faut mettre au chômage 10 000 enseignants pour équilibrer les budgets. C'est eux
Nous croyons avoir des conventions collectives. Nous sommes d'accord qu'il faut améliorer le règlement en question. Et en fait, je viens d'annoncer que j'ai nommé des personnes pour étudier la situation. Je suis content de faire une réponse suivie. Président, ce que nous dit le ministre, c'est qu'elle ne veut pas que les meilleurs enseignants soient devant les élèves dans les salles de classe. J'aimerais vous dire un peu ce qui se passe avec Jason Trinh, jeune enseignant talentueux, maîtrise en sciences, après avoir fait de la suppléance dans deux des meilleures écoles secondaires de Toronto. Il a reçu le prix pour le meilleur nouvel enseignant de l'année. Il a été choisi pour concevoir un camp d'été de mathématiques tellement réussi qu'il a renforcé les résultats des élèves dans ses classes. Mais il ne peut pas trouver d'emploi, il ne peut même pas avoir une entrevue. Il est numéro 800 sur une liste de plus de 1000 enseignants suppléants. D'après le règlement, les directeurs d'école doivent embaucher la personne en haut de la liste d'ancienneté. Jason est le type d'enseignant qu'il nous faut dans nos salles de classe. J'espère et j'aimerais croire que ce prix qu'il a reçu a un vrai sens. Pourquoi pas dire que nos élèves méritent d'avoir les meilleurs enseignants possibles dans les salles de classe? Asseyez-vous. Merci. Ben, vous savez, c'est intéressant de qu'ils essaient de parler des meilleurs enseignants. Député de Halton. Une mise en garde. Député de Leeds-Grenville. Ordre, s'il vous plaît. En fait, nous croyons que lorsque les commissions scolaires embauchent des enseignants suppléants, lorsqu'ils ont fait des entrevues pour les contrats à court terme. En fait, c'est une façon d'employer les bons enseignants. Nous croyons que les commissions scolaires ont été très responsables dans le choix des enseignants à long terme. Eux, ils ne le croient pas. Mais, Président, nous n'allons pas déchirer des conventions collectives. Nous avons notre approche vis-à-vis des syndicats et elle est meilleure que la leur. Et j'ai dit dès le début que le Premier ministre et moi. Merci. Dernière question supplémentaire. Ministre, il s'agit de remédier à une erreur malheureuse pour qu'il y ait équité pour les enseignants. J'exhorte ce gouvernement à soutenir ce projet de loi pour l'envoyer en comité pour discuter ouvertement de quoi faire avec cette situation. Nous savons que le nouveau Parti démocrate a essayé d'arrêter la discussion de ce projet de loi. Nous savons quels sont leurs intérêts. Nous nous attendons à cela d'eux, mais le gouvernement doit faire ce qui est meilleur pour les habitants de l'Ontario, pas seulement ceux qui représentent les intérêts spéciaux qui vous ont aidé à vous faire élire. Nous sommes du côté des parents, le groupe conservateur. Nous ne sommes pas du côté des directeurs. Nous sommes du côté des directeurs, des élèves, des enseignants. Et pourquoi est-ce que le gouvernement, le NPD et les intérêts spéciaux, et pourquoi est-ce que ce sont les seuls qui restent de l'autre côté? Ce projet de loi doit abroger le règlement 274 pour avoir les meilleurs enseignants possibles dans les salles de classe. Asseyez-vous. Je crois qu'il faut nous rappeler un peu la perspective ici. Nous avons dit que nous n'allons pas déchirer les conventions collectives. Nous allons nous asseoir avec nos partenaires. Nous allons discuter avec eux. Et nous allons arriver à des protocoles d'entente avec chaque partenaire. Et comme résultat de ces conversations, ensemble, nous avons un système scolaire cette année qui est calme, qui a des activités extracurriculaires. Ça, c'est le résultat de travailler avec les gens, pas simplement dire que nous allons déchirer les conventions collectives. Nous allons continuer de travailler avec les gens pour trouver des solutions, mais nous n'allons pas mettre les gens en chômage, nous n'allons pas déchirer les conventions collectives et nous n'allons pas abroger le règlement. Nous travaillons pour l'améliorer. Nouvelle question. Député de Toronto, Danforth. Merci, Monsieur le Président. Pour le ministre de l'Énergie, la vérificatrice générale a dit que le protocole d'entente signé
que la Première ministre a lié les mains de l'OPA. Comment ça se fait? Merci pour cette question. La vérificatrice a dit plusieurs choses dans le rapport, y compris dans ce rapport, il y avait, et je cite, faire des hypothèses à propos d'événements à l'avenir et leurs effets sont liés à beaucoup d'incertitudes. Alors, une mise en garde, les estimations varient par rapport aux estimations annoncées plus tôt. Tout au long de ces discussions, on faisait preuve de bonne foi. En ce qui concerne les documents, tout était fait de bonne foi. Il y avait différents points de vue. La vérificatrice générale a fait rapport là-dessus. On a accepté le rapport de la vérificatrice. Je l'ai accepté, Monsieur le Président. On a agi pour s'assurer qu'on puisse trouver le choisir le bon endroit pour ces centrales électriques à l'avenir. Question complémentaire. Alors, vous n'avez pas aimé la question. Vous ne voulez pas répondre à la question. La Première ministre a cherché un document qui a lié les mains de l'Office de l'électricité de l'Ontario. La vérificatrice générale a dit qu'il n'y avait rien qui permettait à l'OEO de traiter avec l'Ontario. Elle a signé une entente qui nous a affaiblis. Pourquoi est-ce que la Première ministre a signé cette entente d'arbitrage? Est-ce qu'elle ne comprenait pas ou est-ce que ça ne l'intéressait pas? Le 7 octobre 2010, le gouvernement s'est engagé à trouver un nouvel emplacement pour la centrale et l'OEO a envoyé une lettre à TransCanada. Cela a reflété des promesses faites dans la lettre au TCE le 7 octobre 2010. Et en ce qui concerne la vérificatrice générale, ce matin, l'entente d'arbitrage a répété la lettre envoyée de l'OEO à TransCanada. Même Peter Tabbins, le député de Toronto-Danforth, est d'accord qu'il n'y avait rien d'extraordinaire dans cette directive du Conseil du ministre. Le 11 avril, il a dit que ça ne prouve rien. Nous savons que le cabinet était au courant. Alors, ça ne me surprend pas. Il est en train de réécrire l'histoire. Question complémentaire. Oh, il n'y a rien à réinventer. Quand la vérificatrice a dit, quand on signe une entente, il faut comprendre l'entente. Est-ce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a signé un document qui garantit des bénéfices à ces entreprises privées payées par les contribuables? Pourquoi on voulait aider TransCanada et pas la population? Question complémentaire. Monsieur le Président, la vérificatrice générale a dit ce matin également qu'elle avait reçu des avis juridiques également qui avaient indiqué que si elle avait passé devant les tribunaux, ça n'aurait pas été dans les intérêts du province et que ça aurait coûté encore plus cher. J'ai lu la citation de la vérificatrice générale qui a dit qu'il faut regarder ces faits-là avec beaucoup de prudence, Monsieur le Président, et regarder cela de plusieurs points de vue. Elle a fait preuve d'objectivité, elle a été neutre et juste au niveau de ses constatations, surtout lorsqu'elle dit que l'entente d'arbitrage a simplement répété la lettre d'origine que l'OEO a envoyée à TransCanada. Je crois que ça répond à la question. Nouvelle question. Député de Timmins James Bay, au ministre de l'Énergie, la vérificatrice générale est objective. Elle a dit que... Oui, un point d'éclaircissement. Vous avez parlé de deux ministres. Le ministre de l'Énergie, oui. Alors, je répète, c'est clair. Ce que disait la vérificatrice ce matin, elle disait que ce gouvernement s'est tiré une balle dans le pied avec cette entente avec TCE. Vous avez choisi l'option la plus chère quand vous auriez pu vous en sortir sans payer un sou. Alors pourquoi est-ce que la Première ministre aujourd'hui a signé un document du cabinet qui a fait en sorte qu'on ait dû payer plus de 685 millions de dollars à ces gens-là? Monsieur le Président, le ministre de l'Énergie, il vient de
poser la même question à propos de l'entente d'arbitrage. Je répète ma réponse. L'entente d'arbitrage a reflété des promesses déjà faites dans la lettre de termination à Énergie TransCanada le 7 octobre 2010. Et la vérificatrice générale ce matin a dit « Cette entente a répété la lettre d'origine envoyée par l'OEO à TransCanada ». Alors, le porte-parole de l'énergie du NPD a dit qu'il ne voyait rien de caché là-dedans. Question complémentaire. Votre première ministre, Kathleen Wynne, a signé une entente d'arbitrage au nom Conseil des ministres. Si le gouvernement avait choisi de ne rien faire ou avait permis la force majeure, vous n'auriez pas eu à payer ce que vous avez eu à payer. Alors, je vous demande, comment vous pouvez vous lever en chambre aujourd'hui pour dire que vous avez agi dans les intérêts des gens de l'Ontario en ce qui concerne le règlement de ce contrat? Je rappelle aux députés d'utiliser le titre ou le nom de la circonscription, s'il vous plaît. Alors, j'ai une question qui porte sur les activités de la première ministre. Cette première ministre, à l'ordre, députée de Renfrew, elle a convoqué le comité de nouveau. Elle a demandé à tous ses ministères de rendre disponibles des documents si le comité les demandait. Monsieur le Président, le résultat, c'était plus de 160 000 documents qui ont été présentés au comité. Et la Première ministre a fait une offre sans précédent. C'était la première fois dans l'histoire de ce Parlement qu'on ait fait cela. Et 30 000 pages de documents du bureau de la Première ministre ont été présentées aussi. Elle a été transparente, elle a été ouverte, elle a été honnête, elle a fait preuve de leadership. Quel leadership? Ça nous a coûté 865 millions de dollars, 685 millions de dollars. Le député de Streetsville a dit ce matin que la vérificatrice a fondé toutes ses constatations sur des hypothèses. Et la vérificatrice a dit non, c'était pas le fait. Ces constatations sont fondées sur des faits réels. Alors, vous, le ministre de l'Énergie, la Première ministre et le reste de votre gouvernement, essayez essentiellement de ne pas accepter ce qu'a dit la vérificatrice. Pourquoi vous vous battez contre ces paroles? Pourquoi vous dites qu'il s'agit d'hypothèses? En fait, ce sont des faits. Le ministre. Bon. Il a dit que ça nous a coûté beaucoup d'argent. C'est vrai. 685 millions de dollars. Et la Première ministre a accepté la responsabilité et elle a donné ses excuses. Mais je dirais, Monsieur le Président, que ce 675 millions de dollars, il faut le comparer à d'autres décisions prises il y a quelques mois. Premièrement, la décision de renégocier le contrat de Samsung. Envoyé 3,7 milliards de dollars des paiements faits. Cela a enlevé. Il y a une autre décision qui nous a fait économiser 1,9 milliard de dollars. On ne peut pas excuser ce chiffre, mais on voit qu'on a pris d'autres très bonnes décisions. Merci beaucoup. J'ai une question pour la première ministre suppléante. Bon, je suis certain. La prochaine campagne électorale, voici ce qu'on va dire. Cybersanté, 2 milliards de dollars. Orange, des centaines de millions de dollars. Le scandale des centrales, 1,1 million de dollars. Les Jeux panaméricains sans prix. Bon. Si vous êtes libéral en Ontario, vous pouvez toujours demander aux contribuables de payer. Quand est-ce que vous allez cesser à faire payer, à faire en sorte que les contribuables paient pour tous vos scandales? Allez chercher un mandat du peuple ontarien avant de dépenser encore plus d'argent. Bon. Une mise en garde pour tout le monde. Si il faut éviter de dire des moyens détournés des choses qu'on n'est pas censé dire. Non, pas de commentaires, s'il vous plaît. Je vais faire très attention.
La vice-première ministre, merci, Monsieur le Président. Le député d'en face n'était pas là quand son parti était au pouvoir. Alors, il faut lui rappeler tout ce que son parti, l'héritage de son parti. Bon, on a tenté de privatiser au Hydro 1. Ça a coûté 90 milliards de dollars. Bon, je n'ai pas besoin de commentaires des gradins. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, on vous donne une mise en garde. Une mise en garde. Hydro. Les contribuables ont payé 19,5 milliards de dollars lorsqu'on a essayé de privatiser Hydro 1. À chaque fois que les Ontariens paient leur facture d'électricité, ils payent pour cette faute des conservateurs. Lorsqu'ils ont essayé de privatiser, le prix de l'électricité a augmenté plus de 30 % en 30 semaines. C'est très clair. Et pire encore, certains d'entre nous, on se souvient qu'ils ont caché un déficit à la population. Mais, question complémentaire. Je vous dis la différence entre ce dont il s'agit ici et ce que vous avez dit. Vous n'avez plus le pouvoir moral du gouvernement en Ontario. Vous avez gaspillé 1,1 million de dollars pour des raisons de partisanerie. Vous avez traité les contribuables comme si c'était votre propre guichet automatique. Bon, le NPD est prêt à vous appuyer, mais nous, on ne va pas le faire. Même si le NPD est prêt à vous laisser gaspiller encore plus d'argent, nous, on a pris la leçon, on ne permettra pas à cela de continuer. Il ne faut pas vous permettre de dépenser un dernier sou. Il faut demander une motion de non-confiance et permettre aux contribuables de l'Ontario s'ils vont appuyer ce gouvernement corrompu. À l'ordre, député de Cambridge, le député de Hamilton Est Sodic Creek, s'il vous plaît. Et je vais le dire de nouveau. Monsieur le Président, il y a beaucoup de testostérone dans la salle. Alors, pensons à l'histoire de la province. Lorsque les conservateurs étaient au pouvoir, ils ont laissé un déficit de 5,6 milliards de dollars. Vous parlez du pouvoir moral. Bon, ils ont vendu, ils ont bradé les biens de l'Ontario. Il y a un tiers des jeunes qui ont décroché de l'école. Ils avaient des listes d'attente pour les soins médicaux au pays. Nous avons passé des pires aux meilleurs en ce qui concerne les taux de décrochage. Nos enfants restent à l'école. Les gens viennent de partout au monde pour apprendre, pour voir comment l'Ontario a transformé son système d'éducation en une seule décennie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le député de Toronto-Danforth. Ma question est pour le ministre de l'Énergie. La première ministre a dit maintes fois, on a commis des erreurs. C'est dommage, Oakville-et-Mississauga. Et là, vous avez gâché le coût de l'annulation. Mais les excuses, ça ne vaut rien si on refait la même chose. Est-ce que la première ministre a appris ses leçons ou est-ce qu'elle est en train de répéter les mêmes erreurs avec le remplacement de la centrale de Mississauga Saint-Clair? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, on a fait référence au rapport de la vérificatrice générale. Et je voudrais faire rapport à un autre rapport de la vérificatrice générale. Les comptes publics qu'elle a rendus publics il y a quelques semaines. Cette même vérificatrice générale a confirmé que les comptes publics pour l'Ontario, pour la première fois depuis 12 ans, le coût du gouvernement provincial a connu une baisse. Nous sommes la seule province au Canada qui est en train de dépasser ses cibles en matière de réduction du déficit. On agit de manière responsable, on continue d'agir ainsi. Et s'ils veulent déclencher une élection qui commence à parler de leur politique, de leur chef, qui parle de leur chef qui, en une semaine, a dit qu'il allait annuler
le contrat de Wynn, mais la semaine suivante, il a dit qu'il n'allait pas l'annuler. On ne sait pas quel est son point de vue. Question complémentaire. Il semblerait que le ministre ne suit pas ce dossier. Le premier ministre a dit que le gouvernement allait commencer à consulter avant de situer les centrales électriques. Mais le maire de Sarnia a dit non, ils n'ont pas été comptés. On a appris qu'on allait les installer dans le comté de Hampton. C'est déjà vu de nouveau. La première ministre commet toujours les mêmes erreurs. Député d'Eglinton-Lawrence, vous n'êtes pas en train d'aider la situation. Retournez à votre place, s'il vous plaît. Est-ce que le ministre se rend compte que les excuses, ça ne vaut rien si on continue de commettre la même erreur maintes et maintes fois? Le ministre de l'Énergie, Monsieur le Président, le porte-parole du NPD voudrait citer des gens. Moi aussi, j'ai des citations. La mairesse Hazel McCallion, on s'oppose à cette centrale depuis 2004. L'Observer de Sarnia, notre région accepte et souhaite le bienvenu à ce genre de projet. L'Observer de Sarnia et le maire du comté de Reed dit, j'ai dit au ministre que ce serait quelque chose de très positif pour nous tous. Et les gens de métiers locaux sont heureux d'apprendre qu'il y aura une centrale au gaz construite dans leur région. C'est une bonne nouvelle. Ça vient du Sarnia Observer. Bon, le conseil de Napanee a voté unanimement en faveur de la centrale. Mississauga et Oakville sont heureux de ne pas accueillir ces centrales, mais il y a deux collectivités qui vont les accueillir à bras ouverts. Le député d'Ottawa-Sud, question au ministre de la Formation, de l'Écologie et des Universités. Et comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de la santé mentale. C'est une question qui préoccupe de plus en plus nos jeunes à Ottawa-Sud, surtout les étudiants au postsecondaire. Et les maladies psychiatriques constituent 60 % de tous les troubles médicaux dans les universités. Les parents veulent s'assurer que leurs enfants reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour réussir. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que le gouvernement fait pour appuyer, pour aider les étudiants postsecondaires qui ont des problèmes de santé mentale? Le ministre. Oui, c'est une question très importante. Un Ontarien sur cinq, c'est-à-dire un jeune sur cinq, a une maladie psychologique, des problèmes d'alimentation, de schizophrénie, dépression, anxiété. Et 70 % de ces maladies sont identifiées quand on est adolescent. Alors, imaginez faire face à tous les problèmes quotidiens de l'école. Imaginez de ne plus être chez soi et d'avoir une maladie mentale. Alors, il y a plusieurs... on a mis en place plusieurs éléments de soutien. Et il y a un fonds d'innovation pour les jeunes de 27 millions de dollars, plus de 20 programmes à travers la province. Il y a un service téléphonique confidentiel qui va offrir de l'information sur les soins de santé et des liens, des ressources 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Monsieur le Président, je suis heureux de savoir que la province investit dans des programmes qui vont aider nos jeunes avec leur santé mentale pour qu'ils aient accès aux services dont ils ont besoin. Je suis heureux de savoir qu'ils auront accès à cette ligne téléphonique en tout temps. Nous devons tout faire pour appuyer nos jeunes à tous les niveaux. Toutefois, Monsieur le Président, j'ai entendu que le gouvernement investit dans 10 projets à travers la province qui vont fournir d'autres aides à l'université en matière de santé mentale. Les parents et les étudiants sont d'accord que ces programmes sont aussi importants dans l'Est et dans l'Ouest qu'à Toronto et voudraient s'assurer qu'on pense à toutes les écoles à travers la province. Alors, question au ministre. Est-ce que le gouvernement s'est engagé à mettre en place ces projets au postsecondaire? Merci, Monsieur le Président. Question excellente. Oui, ces projets sont déployés à l'échelle de l'Ontario. Il y a eu deux rondes d'approbation et 20 projets ont été annoncés
On parle maintenant d'un projet de 6,5 millions de dollars qui ont été investis. L'un de mes projets qui a été, que j'aime, c'était avec l'Université Carleton et l'Université d'Ottawa, et puis avec le district scolaire de Carleton University. Ils vont recevoir 600 000 $ sur 2 ans pour identifier les étudiants à risque au niveau secondaire et avoir des services de soutien lorsqu'ils seront transférés vers l'université. C'est un programme inhabituel qui va donner de bons résultats pour les élèves, pour s'assurer que ces élèves, est-ce qu'ils ont des problèmes psychiques ou mentaux, ne perdent pas une année scolaire. C'est un programme dont nous sommes très fiers. Je voudrais remercier tous les députés de tous les partis parce qu'ils appuient ce genre de mesures à l'intention des élèves et des étudiants. Je voudrais remercier également nos partenaires, les collèges et les universités qui nous ont aidés. Député de Bury, Monsieur le Président, il y a eu un party pour les Jeux sud-américains. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Et c'était un party de plus de 600 000 $ et il y avait une seule ligne. On parlait de dans le budget de 215 millions. On parlait des sécurités. Voici des coûts de sécurité pour les derniers, les activités. Par exemple, à Turin, 1,4 milliard. Vancouver, 1, j'espère que vous n'allez pas faire les coirins pour assurer la sécurité des athlètes. Ministre, quel est le montant exact du programme de sécurité pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains? Ministre des Finances. Merci. J'apprécie la question. Le député a fait partie du budget des Jeux panaméricains au cours des 2 dernières années. Il connaît très bien que depuis le début, et commence à l'écouter. Et il sait très bien également que c'est dans le budget et il y a eu un résultat trimestriel sur le transport et la sécurité. Mais ce qui est le plus important, cependant, et ce qui est honteux, le député d'en face ne veut pas recevoir les délégations d'Amérique du Sud qui sont venus dans notre pays et on affiche le Canada et l'Ontario à son meilleur. Ils refusent. Ce sont les gens qui viennent investir dans notre province et nous allons accueillir toutes ces personnes et il a décidé de ne pas appuyer l'Ontario. Il semble que, Monsieur le Président, que les investissements viennent des Ontariens et non pas des délégués qui ont payé des milliers de dollars pour venir ici il y a plusieurs semaines. Le comité, le président du comité directeur, on parlait de 119 millions. Est-ce que c'était le budget qui était dans le 1,4 milliard de dollars pour tous les services essentiels ou bien c'était une autre surprise qui ne sont pas dans les livres des Jeux panaméricains? Une source de sécurité que votre budget de sécurité, quel qu'il soit, a été déjà dépassé parce que vous manquez de planification et c'est le plus grand risque à la sécurité. Comment est-ce que vous enterrez d'autres budgets? Combien exactement le budget pour toute la sécurité des Jeux panaméricains? Quelle est cette réponse? Ministre des Finances. Monsieur le Président, nous avons reconnu la complexité des Jeux panaméricains. C'est pour ça que nous travaillons avec le comité directeur et nous voulons nous assurer que la sécurité est nécessaire en embauchant des agents de sécurité ou d'autres groupes de sécurité à l'appui de ces Jeux. Et nous reconnaissons également que le nombre de touristes qui viendra dans cette province avec les dizaines de milliers d'athlètes et de touristes et l'enthousiasme que ceci sera important. Et plus encore, c'est l'héritage que nous allons laisser dans tous les centres communautaires de l'Ontario avec le village des athlètes et tous les événements et tous les lieux de participation des événements sportifs. Et ils devraient appuyer ces efforts et appuyer l'Ontario. Député de Témiscamingue-Cochrane, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Je pense que nous savons maintenant que le
que le gouvernement libéral a gaspillé 1 milliard de dollars à l'intention des sociétés de gaz. Ils ont également, pour sauver quelques sièges, ils ont décidé également d'ignorer l'infrastructure OTC. Et en plus, ils ont mis... Et notre surprise a été lorsqu'on découvre que les emplois qui peuvent être réalisés à North Bay sont faits dans d'autres pays. Et nos propres ateliers ne sont pas en mesure de construire. Et parce qu'il y a des jobs pour des emplois pour le Nord-Ontario, alors que les emplois sont transférés ailleurs. Ministre des Richesses naturelles, Monsieur le Président, j'apprécie la question du député d'en face. Et le député sait très bien que le comité consultatif reconnaît le statu quo n'est plus acceptable. Nous sommes tous d'accord avec ceci. Nous reconnaissons qu'il doit y avoir un nouveau plan pour renforcer l'infrastructure du transport dans l'Ontario, ce qui a été un défi pour la région. Je voudrais rassurer le député, nous voulons continuer à investir dans les infrastructures en transport de nord de l'Ontario et dans la région pour que les gens du nord aient des services et l'accès au transport. Et en travaillant avec le ministre des Mines et du Développement du Nord, nous connaissons très bien le dossier et nous allons continuer à travailler avec les collectivités locales pour trouver de bonnes solutions pour la région complémentaire. Merci, M. le Président. Ma question, je retourne à la vice-première ministre. Il y a eu des comités, donc ils veulent donner des conseils au ministre pour la Société de transport Northland. Comment ils peuvent avoir un plan lorsque vous ne permettez pas aux gens du Nord de faire des offres de services pour les entreprises? Vous dépensez de l'argent avec les avocats et toute l'armada d'avocats. Vous essayez d'économiser votre réputation alors que nous, on perd nos emplois. Ministre. Merci, M. le Président. Le député sait très bien que le ministre du Développement du Nord et des Mines veut s'attaquer à cet enjeu de façon à satisfaire les objectifs et à les réalités des enjeux du Nord. Nous voulons travailler avec les collectivités locales. C'est pour ça que ce comité a été créé pendant que le député prétend concernant... Il y a un groupe d'experts qui va prendre des avis des gens de la région et pour trouver une solution idéale pour la région. C'est un enjeu important et le statu quo n'est plus acceptable et qu'il y a eu des pertes énormes concernant l'exploitation de l'ONTC. Nous allons continuer à trouver des solutions avec les collectivités. Nouvelle question. Député de Southwest Western, ma question s'adresse au ministre du développement économique et de l'emploi. À l'échelle du Canada, nous voulons souligner l'importance des petites entreprises et les gens qui les exploitent. Il y a un grand nombre de petites entreprises dans ma circonscription. Christina and Tina Anti, Kaplan Appliances, Golden Weed, et pour en nommer quelques-uns, qui sont des petites entreprises, des propriétaires de petites entreprises qui travaillent à leur compte pour créer des emplois à l'échelle locale. Monsieur le Président, il y a également, c'est toujours anxieux d'exploiter une petite entreprise. Ceci correspond à l'engagement du gouvernement pour créer le climat idéal pour attirer les petites entreprises. Par vous, Monsieur le Président, et au ministre, comment le gouvernement appuie les petites entreprises à l'échelle de l'Ontario, ministre du Développement économique et de l'Emploi? Merci à la députée de North York-Sud, parce qu'elle est la défendeur des petites entreprises. Nous avons déposé le projet de loi 105 pour aider les petites entreprises. Et si ce projet de loi est adopté, 65 petites entreprises ne paieront plus d'impôt santé. Et ceci va permettre également d'éliminer l'impôt santé sur plus de centaines de milliers d'entreprises.
Nous allons appuyer les petites entreprises grâce au Fonds de développement économique, diminuer les formalités administratives, éliminer plus d'un 1 000 allègements administratifs et des économies de plus de 265 millions de dollars pour les entreprises en Ontario. Et également, comme par exemple, nous allons éliminer également l'impôt pour les petites entreprises avec un chiffre d'affaires d'au moins 5 millions. Merci, M. le Président. Merci de la mise à jour. Les petites entreprises contribuent tant à l'économie de l'Ontario. Ce sont nos partenaires importants pour l'Ontario. Ils aident à construire des petites collectivités comme dynamiques, les Vietnamiens, les Portugais et les communautés italiennes également pour leur présence dans ma circonscription. Et je participe activement à toutes ces activités. Je continue à recevoir un grand nombre de questions de nos commettants concernant la création d'emplois et par les petites entreprises et d'autres questions plus larges sur la création d'emplois en général à l'échelle de la province. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous donner des réponses? Qu'est-ce qu'il fait pour aider les petites entreprises à créer d'emplois bien rémunérés dans ma circonscription comme ailleurs dans la province? Monsieur le Président, je remercie du suivi des questions la possibilité de parler de l'aspect emploi de ce projet de loi. Les petites et moyennes entreprises représentent 99 % de nos entreprises à l'échelle de la province. Ce sont des sources d'emploi pour la population de l'Ontario. Les collectivités à l'échelle de l'Ontario, qu'ils soient urbaines ou rurales, tirent des avantages de ce projet. Donc, il est important d'avoir un emploi bien rémunéré et ceci permet aux petites entreprises de créer des emplois. Ceci fait partie du cadre de notre appui financier, comme le réseau des entrepreneurs de l'Ontario pour étendre les compétences pour créer de nouvelles entreprises. Et nos 57 de centres aux petites entreprises. Nous voulons également une nouvelle stratégie d'emploi qui est destinée aux jeunes à l'échelle de la province. Député de Thornhill, merci, M. le Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Député de Thornhill, qui s'en soucie? Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Pendant que j'étais ici et avant, votre gouvernement a promis aux mécomettants un hôpital. On n'a pas vu de trou dans la rue, pardon, dans le sol. Et maintenant, les gens sont en. Et ce qu'il y a maintenant, c'est comme un parti. Et pour empirer la situation, il semble qu'il y ait un trou dans l'histoire. Qui a le titre de cet endroit où l'hôpital s'est construit? Donc, la ville de Vaughan semble être intéressée. Est-ce que votre ministre ou la ville de Vaughan ont le titre sur de propriété sur ce 186 acres ou bien avez-vous donné ce terrain à une entreprise privée? Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Vaughan est une société dynamique et la ville de Thornhill et Vaughan méritent un hôpital. Nous allons donner un hôpital à la municipalité de Vaughan. Je voudrais remercier le député de Vaughan. Avant son élection à la Chambre, et il a été un défenseur infatigable de cet hôpital. Je voudrais remercier le député de Thornhill qui a appuyé ce projet d'infrastructure, même si le parti n'appuie pas la construction d'hôpital. Et le député d'en face, il devrait y aller parce qu'il y a un nouveau site pour le futur hôpital. Et je suis heureuse
et que nous allons faire des investissements à cet endroit. Et ceci fait partie d'un projet d'investissement de 49,5 millions de dollars. Bien que la réponse soit terminée, je voudrais quand même entendre le reste de la réponse. Le député de Lapton, Kent Middlesex, n'aide pas. Complémentaire. Si seulement le site pouvait offrir une dialyse, il y a des choses plus importantes qu'un hôpital. Il n'y a rien de plus important, pardon, qu'un hôpital. Les gens sont lassés. Au cours des dernières 5 années, les gens ont payé des impôts plus importants au coût de 16 millions de dollars qui ont été recueillis depuis 2012. Il n'y a aucune date de la première pelletée de terre. L'ancien ministre des Finances et l'ancienne ministre de la Santé ont remis le site à une entreprise privée pour les activités. Il manque de clarté, de transparence et de surveillance, et on le sait très bien. Maintenant, il n'est pas clair à qui est le propriétaire du titre de propriété. Tout le monde sait que l'hôpital ne va pas être construit sur un titre de propriété privée. Quand est-ce que l'hôpital sera créé et à qui appartient le titre de propriété? Veuillez vous asseoir. Je vais demander au député de Bruce Gray Owen Sound lorsque le député pose la question. Réponse. Je vais au député de Bruce Gray Owen Sound que vous êtes averti. Député, vous pouvez demander au député de Halton, Monsieur le Président, je suis heureuse de répondre à cette question pour assurer le député d'en face et la population de Halton que la construction va commencer en 2015. Nous allons travailler avec tous les partenaires pour nous assurer que nous allons de l'avant avec ce site et imaginez ce qui sera là, services d'urgence et médicaux, salles opératoires et imagerie médicale, soins intensifs. La population de Vaughan mérite cet hôpital et cette communauté veut cet hôpital et la construction va commencer en 2015. Nouvelle question. Député d'Ovalon. Merci, M. le Président. Ce gouvernement libéral est notoire pour perdre des lits. Mais c'est facile de gager lorsque vous jouez avec votre propre argent. Je dois le député de dire à qui la question s'adresse. À la vice-première ministre, ce gouvernement libéral est notoire pour faire de mauvais enjeux. Et c'est facile de gager lorsque ce n'est pas votre argent. La vérificatrice générale a joué 1 milliard de dollars pour sauvegarder des sièges à Oakville et Mississauga en éliminant les hippodromes et les machines à sous. Et vous avez joué encore sur l'avenir des communautés rurales. Comment est-ce qu'elle s'assure pour que la dernière course de la saison n'est pas la dernière dans l'histoire de 165 ans de l'hippodrome de Fort-Irée. Merci, M. le Président. M. le Président, ce gouvernement a mis en place un panel d'experts. 3 anciens ministres, M. Stubblin, M. Buchanan, M. Wilkinson. Et la première ministre a envoyé une lettre au panel pour avoir un plan quinquennal pour s'assurer que le secteur équestre est transparent et responsable. Nous allons de l'avant avec ce plan. Et le plan va être complété dans quelques temps. Nous aurons l'occasion de nous assurer qu'il y a un secteur équestre qui sera durable pour les années à venir. Question complémentaire. Les libéraux ont des points de presse juste avant un long week-end d'habitude. Ce n'est pas une coïncidence. On espère que le groupe d'experts de transition des courses de chevaux publie ces nouvelles demain.
Si ce gouvernement peut gaspiller 1,1 milliard de dollars, peut donner un peu d'argent pour l'industrie de course de chevaux. Quand les gens qui mangent de la dinde ce week-end, est-ce qu'ils vont remercier, dire grâce ou ils vont être préoccupés d'un futur, d'un avenir incertain? Monsieur le ministre, merci. Monsieur le Président, on a fait déjà beaucoup de progrès dans l'industrie équestre de l'Ontario. On a 180 millions de dollars pour appuyer l'industrie dans les trois ans à venir pour s'adapter à un modèle plus durable et plus petit. Mais je veux dire, John Snowball, un député très distingué de ce groupe parlementaire qui était au Conseil des ministres, a dit que le programme de machines à sous dans les hippodromes n'était pas transparent, n'était pas durable. Et il a défendu d'avoir un plan quinquennal pour la province d'Ontario pour avoir une industrie équestre, une industrie de course de chevaux durable en Ontario. Intervention du président. Nouvelle question. La députée de Scarborough-Agincourt. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Lundi, c'était le jour mondial de l'habitat des Nations Unies, déclaré par les Nations Unies. Les pays des collectivités soulignent le besoin d'avoir du logement et on a... Les gens pensent peut-être qu'à l'extérieur du Canada, on a besoin de logements abordables. Mais souvent, des gens qui soient des nouveaux arrivants ou des gens qui sont là depuis longtemps, souvent ont des besoins d'un logement décent. Monsieur le Président, je demande à la ministre, est-ce que je peux dire ce que notre gouvernement fait pour investir dans le logement abordable? Pour assurer qu'il n'y a pas d'Ontariens qui souffrent de froid. Merci, la ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, je veux remercier ma collègue de sa question et je veux reconnaître l'importance de la Journée mondiale de l'habitat parce que tous les Ontariens méritent d'avoir un chez-soi et parce que d'avoir un chez-soi, c'est la première mesure pour sortir de la pauvreté, pour laisser aux plus vulnérables d'avoir de bonnes occasions et une meilleure qualité de vie. C'est pourquoi notre gouvernement investit 3 milliards de dollars pour notre stratégie de logement abordable depuis 2003. Ces 3 milliards de dollars, c'est plus que tout gouvernement précédent. Ça veut dire qu'on a déjà réparé 263 000 unités et 17 000 nouvelles unités de logement, nouveaux logements ont été construits. Et avec nos partenaires comme le Wheat Kitchener Center, on a investi 25 millions de dollars et on a créé 210 logements. Et on va continuer à travailler avec nos partenaires. Question complémentaire, merci. Je suis sûr que mes concitoyens sont contents qu'on investisse dans le logement. Nous avons fait des bons investissements dans le logement abordable et les collectivités ont besoin d'un financement stable, comme et de même au Canada. Le président de la Fédération canadienne des coopératives a dit qu'ils veulent avoir un rôle à côté de la province pour restaurer l'équilibre dans le domaine du logement au Canada. Est-ce que la ministre peut nous expliquer ce que le gouvernement fait afin que notre partenaire fédéral participe au financement de logements à long terme? Merci, réponse la ministre. Pour investir dans le logement, c'est une question de société. Il faut avoir les trois paliers du gouvernement municipal, provincial et fédéral à la table. Et nous étions encouragés par la décision du fédéral de rallonger l'engagement au logement abordable dans leur budget. Cela me préoccupe que leur engagement continue à long terme. C'est pourquoi on va écouter le discours du trône qui s'en vient pour s'assurer qu'il y en va. Parce que l'investissement dans l'argent abordable, c'est très important. Ces investissements donnent des dividendes pour les emplois en Ontario et on continuera à protéger les gens les plus vulnérables. Merci. Nouvelle question.
Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Vous étiez dans ma circonscription, du Eurobruce. Et pendant que vous avez voyagé, vous visitez Bruce Power. Pendant vos voyages, vous avez vu 150 éoliennes. À Kincardine, on a adopté à Samsung, à Kincardine. Vous avez gaspillé $1 milliard sur des centrales au gaz. L'entente secrète avec Samsung, ça veut dire que 158 éoliennes qui existent, plus de 90 nouvelles éoliennes sans pied plus grandes que celles qui existent, sont imposées aux collectivités à Huron et Bruce. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez expliquer aux résidents pourquoi, dès le départ, vous ne respectez pas la volonté des citoyens? Veuillez asseoir, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont vraiment au bord. Là, je pourrais ajouter d'autres. Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, je pense que la députée parle des contrats éoliennes existants. Elle parle des contrats existants pour éolien. C'est le chef du Parti conservateur qui, il y a quelques semaines, a dit qu'il respecterait des contrats d'éoliennes existants, qu'il ne changerait pas. Quand il est allé au concours, au championnat international de la boue, il a dit qu'on est ouvert au changement. On a appris qu'il ne faut pas annuler les contrats. Elle suggère qu'on change des contrats existants. Ce qui est important, c'est qu'on a une politique d'énergie renouvelable qui a éliminé la production de centrales au charbon à zéro. Et ce parti s'oppose à ça. Merci. Question complémentaire. Et je sais que le député va écouter. Vous savez que la vérité sort. Pourquoi vous ne sortez pas avec les mains dans l'air avant que la vérificatrice générale ait un rapport sur ce fiasco de $1 milliard? Le projet de Samsung va générer 180 mégawatts, $1.2 milliard pour 180 mégawatts. C'est de l'électricité dont l'Ontario n'a pas besoin. Faites ce qui s'impose, Monsieur le ministre. Vous et votre groupe parlementaire, si vous continuez à procéder, et même le néo-démocrate, pour appuyer vos politiques horribles, vous devrez avoir honte. Votre plan sur l'énergie verte est criminel. D'une fois pour toutes, est-ce que vous avez à admettre que votre schéma est un échec et appeler un moratoire tout de suite pour tout projet d'éolienne? Intervention du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, j'aimerais une clarification du chef de l'opposition du fait qu'il demande une élection, qu'il dise s'ils vont annuler les contrats d'éoliennes existants. Nous avons de l'énergie renouvelable dans cette province. La députée de Nepean Park ne sait pas. Je ne dois pas attendre que la montre, que la pendule termine pour demander de sortir. Est-ce que vous avez me posé un défi? Ne dites rien, s'il vous plaît. Veuillez continuer. Monsieur le Président, on a investi dans l'énergie propre et renouvelable, parce que le gouvernement a augmenté la production au charbon plus jusqu'à 25%. On a réduit presque à zéro. Et l'ancien ministre de l'Énergie de ce parti de l'autre côté, M. John Baird, est à Washington. Il prend du crédit du fait qu'on a réduit le charbon dans ce pays, c'est-à-dire dans cette province. Il prend le crédit pour le gouvernement fédéral de quelque chose que nous, on a fait ici. Ce ministre de l'Énergie a augmenté la production au charbon. Je vais informer la Chambre que j'ai déposé sur la table le rapport annuel de 2012-2013 du commissaire à l'environnement de l'Ontario qui s'intitule « Servir le public ». Et j'aimerais aussi demander à mes amis de me rejoindre en célébrant nos pages
C'est leur dernière journée ici. Et je les remercie de leur travail excellent. Vu qu'il n'y a pas de vote différé, la séance est levée jusqu'à 13 h cet après-midi.